Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Une minute et on commence. Okay. On va commencer avec l'appel. Mademoiselle Sophia. Bonjour, ici. Bonjour, français. Merci. Elisabeth. Et ce côté-là. Oh mon Dieu. Ok, bon. Merci beaucoup. Bonjour. Emiliano. Bonjour, Izzy. Bonjour, monsieur. Merci. Hélène. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Merci. Frida. N'a pas, mademoiselle Frida. Darlene. No, vamos a hacer Darlene. Rebeca. Bonjour, ici. Bonjour, mademoiselle. Merci. Dara. Ah, voilà. Merci beaucoup. Avec deux. Excellente. Excellente. Merci. Et Valeria? Merci beaucoup. Bonjour. Et Jani? Bonjour, ici, madame. Bonjour, mademoiselle. Merci. Samantha? Ici, madame. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Merci. Lisette. Bonjour, madame. Ici. Bonjour, mademoiselle. Merci. Luz. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Merci. Paulina. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonjour. Alison. Rodrigo. Ici, madame, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Daira. Bonjour, ici. Merci beaucoup. Bonjour. Paulo. Voilà. Ah, voilà. Merci beaucoup. Oui, monsieur Paulo. Oui, merci beaucoup, monsieur Paulo. Merci. Mireia. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle, merci. Daniela.
Merci beaucoup. Fernanda. Bueno, también va a ser Fernanda. Okay. Carla. Ah, hola. Excelente, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci aussi, mademoiselle Carla. Excelente. Merci. Scarlett. Vamos a Scarlett. Majo. Y sí, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Araceli. Voilà, mademoiselle Scarlett, excellente. Mademoiselle Araceli, excellente. Julieta. Excellente. Bonjour, merci. Camila. Bonjour, ici. Bonjour, mademoiselle, merci. Karen. Bonjour, ici, madame. Bonjour, mademoiselle. Merci beaucoup. Et Hannah? Bonjour, madame, ici. Bonjour, mademoiselle. Merci. Wendy? Excellent. Et monsieur Ricardo? Bonjour, ici. Bonjour, monsieur. Excellent. OK. Madame? Oui. Yo le contesté por mensaje, pero creo que no pudo ver mi mensaje. Soy Alison. Ah, ok. Oui, mademoiselle. Merci. Gracias. Excelente. Ok. Donc, donne-moi un moment, s'il vous plaît. Ok. Bon. On commence aujourd'hui. Sept. Ok. Bon. Bienvenue tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec vous. Aujourd'hui, c'est notre semaine 12. C'est la séance 24. C'est jeudi 7 avril 2022. Notre séance est de 9h à 11h. Et l'objectif, aujourd'hui, on va voir l'ordonnance, les subjonctifs et la santé et la médecine. On va commencer notre séance avec des exercices de la classe dernière. Rappelez-vous que la classe dernière, on a vu l'obligation et l'interdiction. On a vu les différentes expressions pour exprimer l'obligation. Par exemple, il faut, il est nécessaire de, il est indispensable de avoir l'obligation. Et aussi, on a vu l'interdiction, il est défendu que, il n'est pas permis de, il est interdit de, et vous ne devez pas. Rappelez-vous que dans tout cas, on va utiliser les verbes à l'infinitif. Ça veut dire sans conjugaison. Okay. Alors, on va commencer avec un petit exercice. Vous allez écouter et vous devez me dire si c'est interdiction ou obligation. Écoutez les 6 règles. Ils sont des règles. Donc, écoutez. Unité 5. En forme, page 43. Grammaire, l'obligation et l'interdiction. Activité 1. 1. Il est strictement interdit de participer à la course sans certificat médical. Répétez.
Il est strictement interdit de participer à la course sans certificat médical. Ça, c'est interdiction ou obligation? Lequel? Obligation. C'est obligation, oui. Vous êtes sûr? Sécurité. Quelle est l'expression? Il est strictement interdit de... Il est quoi? Interdiction. Oui, c'est interdiction. Il mentionne, il est strictement interdit. De quoi? L'obligation. Activité. Il est strictement interdit de participer à la course. De quoi? De participer à la course. Exactement, de participer à la course. Vous pensez que la course, c'est la carrière. Il est strictement interdit de participer à la course sans certificat médical. Sans quoi? Certificat médical. Exactement. Sans certificat médical. Sans. Exactement. Sans interdiction. Parce qu'on utilise, il est strictement interdit. Excellent. La règle 2. Dit de participer à la course sans certificat médical. 2. Il est nécessaire de se changer après la course. 2. Il est nécessaire de se changer après la course. C'est interdiction ou obligation? Obligation. Obligation. Exactement. Quelle est l'expression qu'on utilise? Le... Nécessaire. Exactement. Il est nécessaire. De quoi? À la course. 2. Il est nécessaire de se changer après la course. De quoi? De... De changer après la course. De se changer. Et la course, qu'est-ce que c'est de s'échanger? Cambiarse? Cambiarse, exactement, des vêtements par exemple. De s'échanger après, después, après la course. On écoute. Nécessaire de se changer après la course. 3. Il est défendu de fumer. Répète. Après la course. 3. Il est défendu de fumer. C'est interdiction ou obligation? Interdiction. Exactement, c'est interdiction. Et quelle est l'expression qu'on utilise? Il est défendu. Exactement. Il est défendu de quoi? Fumeur. Le fumeur. Exactement. Appelez-vous que il est défendu signifie prohibido. Está prohibido. Il est défendu de fumer. Excellent. Il est défendu de fumer. 4. Vous avez l'obligation d'arriver à l'heure. Interdiction ou obligation? Obligation. Exactement, ça c'est une obligation. Et quelle est la phrase? Défendu de fumer. 4. Vous avez l'obligation d'arriver à l'heure. Quelle est la phrase? Vous savez l'obligation.
avez l'obligation de quoi? D'arriver à l'heure. Alors, oui. Arriver à l'heure. Llegar temprano. O a la hora. Vous avez l'obligation. Voilà, ça c'est une obligation. Très, très bien. Suivante. Vous avez l'obligation d'arriver à l'heure. 5. Il n'est pas permis de boire de l'alcool. 5. Il n'est pas permis de boire de l'alcool. Ça, c'est interdiction ou obligation? Interdiction. Exactement. Et quelle est la phrase? Il n'est pas permis de l'alcool. Exactement. Il n'est pas permis de boire de l'alcool. Exactement. Il n'est pas permis, c'est l'interdiction. Et finalement, il n'est pas permis de boire de l'alcool. 6. Vous ne devez pas vous asseoir avant le départ. Vous ne devez pas vous asseoir avant le départ. Ça, c'est interdiction ou obligation? Interdiction. Exactement. C'est interdiction. Et quelle est la phrase? Vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Écoutez. Vous ne devez pas vous asseoir avant le départ. Vous ne devez pas vous... Quel est le verbe? S'asseoir. Vous asseoir. Qu'est-ce que c'est asseoir? Sentar. Sentar. No debe sentarse avant le départ. Antes del despegue o de irse. Exactement. Vous ne devez pas, c'est aussi une interdiction. Excellente, très, très bien. Alors, on va passer à notre exercice. L'obligation en interdiction, transformez les phrases à l'impératif négatif. Rappelez-vous, autre forme de exprimer l'obligation ou l'interdiction, c'est utiliser l'impératif. C'est l'utilisation des expressions comme ça, mais aussi de l'impératif. L'exemple c'est « Il est nécessaire de dormir ». « Il est nécessaire », c'est une obligation. Donc, on va utiliser l'impératif. Okay? « Ne dormez pas okay? ». Vous devez transformer les phrases. On va la transformer à l'impératif négatif. « Ne dormez pas ». Par exemple, si on dit « Il faut se reposer », on va les changer à une interdiction. Comment on transforme la phrase? C'est à la négation. Ah, podría ser ne repose-toi pas. Ne repose-toi. Ah, mais si c'est négative, comment on utilise le pronominal? Ojo con el pronominal, al ser negativo, ¿dónde lo ponemos? Ah, era ne te repose pas. Ne te repose pas. Voilà, excelente. Vous avez ici, ne te repose pas. Excelente. Il est possible d'appeler son entraîneur pendant la course. Comment on peut faire la négation ici? Quel est le verbe? Verbe est...
ne sais pas quel est le verbe. Quel est le verbe ici? D'appeler. Exactement. Le verbe est appeler. Si vous notez, appeler est le verbe. Donc, c'est le verbe que vous allez utiliser pour l'impératif. Comment on va faire l'impératif? Pourrait ser n'appelons pas son entraîneur pendant la course. Ok, mais appelons peut-être non. Tal vez sería más bien tú o usted. Par exemple, on va utiliser vous, par exemple. Quelle est la conjugaison avec vous? Appelez. N'appelez pas. Et acuérdense que son va a cambiar también, porque son es de il. Su entrenador, aquí sería vuestro, para entenderlo de otra forma, ¿no? N'appelez pas. N'appelez pas. N'appelez pas. ¿Lequel? Votre entraîneur pendant la course. Ici, ça c'est le verbe à l'impératif. Ahí está nuestro verbo en imperativo. No llame a su entrenador. O no llamen a su entrenador. N'appelez pas votre entraîneur pendant la course. Excellent. Par exemple, il est nécessaire de manger avant le départ. Comment on peut faire la négation à l'impératif? La negación. Acuérdense, utilizan el verbo. Ne mangez pas avant le départ. Exactement. Ne mange pas avant le départ. Excellent. Il faut être à l'écoute de son corps. ¿Cómo va a hacer la negación y al imperativo? ¿Cuál es el verbo a conjugar? Quel est le verbe à conjuguer? Exactement. Être. Ojo con être, porque es irregular. Quelle est la conjugaison à l'impératif? ¿Quelle est la conjugaison? Ojo, porque es irregular. Exactement. Très, très bien. Soit. Ne soit, si lo queremos poner con tú, ne soit pas quoi. À l'écoute. Estar como a la escucha, es decir, estar al pendiente. Ahí. Vale. À l'écoute de
on va changer son. Ojo, porque hay que cambiar el son. En vez de son, si le estamos hablando de tu, ne sois pas à l'écoute de quoi? De... Mais tu parlais de tout. Aquí lo conjugamos con tú. ¿Cuál sería el de tú? Me. Ah, ese es de je. Toi. Ton. De ton corps. De tu cuerpo. Ne sois pas à l'écoute de ton corps. Il est conseillé de se relaxer. Notez que vous utilisez le pronominal. Comment on va utiliser cette verbe? Excellent. Ne te relaxe pas. Exactement. Très, très bien. Acuérdense que puede ser tú o vous. No, no tanto, pero podría ser también. Excellent. ¿Tú tu question avec l'impératif? Ici. Écrivez les règlements de la manifestation sportive, la féminine, ainsi se llama, à partir des éléments suivants. Notez que vous avez être une femme pour participer. Vous pouvez utiliser les expressions ou vous pouvez utiliser peut-être l'impératif. Par exemple, si on a être une femme, comment vous pouvez écrire la règle? Ya sea utilizar expresión o el imperativo. Être femme. Autrefois, on répète. Il faut être une femme. Excellent. Il faut être une femme pour participer. Excellent. Vous pouvez utiliser. Il faut. Excellent. Il faut être une femme. Utilisez vélo et roller. Qu'est-ce que vous pouvez dire? ¿Cómo pueden meter la regla? ¿Y cuál? ¿Y el...? Necesario. ¡Excelente! Hago nada más con... el necesario. ¿Qué nos faltan? Utilice velo roller. Estamos de. Y ahora sí, ya podemos poner el verbo en infinitivo. D'utiliser velo et roller. Exactement. Porter un numéro d'inscription sur sa tenue, en su traje, en lo que usan, en la ropa. Porter un numéro d'inscription sur sa tenue. Comment vous pouvez mentionner cette règle?
pas permis. Oh, excusez-moi. Oh, entrez sans votre numéro d'inscription sur sa tenue. Mais oui, c'est permis. C'est une règle. Non, ça, está prohibido no entrar sin el número. Ah, excellent. Il n'est pas permis de quoi? Entrez sans votre numéro d'inscription sur sa tenue. Excellent, entrez sans un numéro d'inscription sur sa tenue. Excellent. Ça, c'était excellent. Il n'est pas permis de. Voilà. Excellent. Et présenter un certificat médical. Il faut présenter un certificat médical. Excellent. Ça, c'est excellent. Il faut présenter un certificat médical. Excellent. Très, très bien. OK. D'autres questions avec l'obligation ou l'interdiction? Alors, rappelez-vous aussi qu'on avait vu les vocabulaires de le corps et santé, du corps et la santé. C'était les parties du corps. On a vu les parties du corps. Et aussi, on va continuer avec les visages. Vous savez qu'est-ce que c'est les visages? La cara. Okay. La cara. Okay. Ici, vous avez des vocabulaires pour les visages. Par exemple, vous avez la buille. La buille, c'est la même chose. C'est un synonyme de visage. Mais généralement, on utilise la buille pour les enfants. Finalement, así se le dice cuando nos referimos a la cara de los niños. Mais c'est le visage. Autre synonyme, la face. Autre synonyme, la figure. Le temps. Vous savez qu'est-ce que c'est le temps? Comme le cutis. El cutis, la piel, la tête, el cutis, exactement. Et les traits, bien sûr. Les yeux grands, le nez peut-être rond, fin, large, je ne sais pas. Les traits. Donc, si vous notez ici, quels adjectifs qualifient les visages et quels adjectifs qualifient les temps? Par exemple, si on dit « ma », qu'est-ce que c'est « ma » ? C'est comme une… c'est pas une couleur. Ma signifie mate, non brilloso, mate. Donc, ça c'est pour le visage ou avoir le teint? Le teint. Exactement. Vous pouvez dire, ah, j'ai le teint ma. Tengo la piel mate, par exemple. J'ai le teint ma. Voilà. Parce que rappelez-vous que le verbe avoir se conjugue. Ovale, quelqu'un peut dire. Exactement. Les visages, bien sûr. Parce que vous pouvez dire, ah, il a les visages ovales. Par exemple, ovale. Carré. Les visages? Exactement. Elle a les visages carrés. Carré. Voilà. Pâle.
Pâle, c'est pour. Les temps, exactement. Pâlido. Exactement. Alors, j'ai les temps pâles. Tu as les temps pâles. Frais. Qu'est-ce que c'est frais? Fresco, como pues sí, fresco, limpio. Donc, ¿qué es que sé? Le visage? Non, pas exactement. On parle de l'étang. C'est un temps frais. Clair. L'étang? Exactement. L'étang clair. Ronde. Le visage? Exactement, la forme du visage. Visage ronde. Ridé. Le visage? Oui. Ridé signifie con arrugas ou arrugado. Ridé. Voilà. Excellente. Donc, comme ça, vous avez aussi un petit peu de vocabulaire pour être malade. Rappelez-vous qu'on parlait de santé, de la salute. Vous pouvez utiliser les verbes attraper ou avoir. Et vous avez un rhume. Le rhume est le resfriado. Oh, j'attrapais un rhume. Oh, j'ai un rhume. Une angine de la gorge, des angines. Une grippe, par exemple. Vous pouvez utiliser les verbes attraper ou vous pouvez utiliser les verbes avoir. Vous pouvez avoir de la fièvre. Exactement. Comme catching a cold, exactement. Avoir de la fièvre aussi. Avoir, rappelez-vous, mal à. Mal à tête, mal à l'estomac, mal au pied. Acuérdense que la preposición a es con derivados. Mal a la tête. Mal à l'estomac, mal au pied. Rappelez-vous que si vous utilisez le mal à, c'est douleur physique, que les duele físicamente. Vous pouvez dire aussi avoir et l'expression oh, mauvaise mine. Mine. Es como decir tener mala cara, mala pinta. Como cuando le decimos a alguien no te ves muy bien. Se hace avoir mauvaise mine. Una cara mala, verse enfermo. Éternuer. ¿Vos sabés qué es que c'est le verbe éternuer? C'est un verbe aussi. Ce que j'ai fait, c'est achou. Ça, c'est éternuer, par exemple. Oui, exactement. Vous pouvez aussi se sentir, vous pouvez dire se sentir bien ou se sentir mal, par exemple. Autre verbe, souffrir de, notez la préposition, d'une maladie. Souffrir d'une maladie. Autre verbe, tousser. Tu sais. Et vous avez le nom, este es el sustantivo, la toux. La toux. D'autres questions avec vocabulaire? Donc ici, par exemple, associer les symptômes et la maladie. Si les symptômes est j'ai le nez bouché.
Comme vous ne pouvez pas respirer, j'ai le nez bouché. Qu'est-ce que c'est ça? Si vous avez le nez bouché, vous avez une angine, la grippe ou un rhume. Le nez bouché. La grippe? La quoi? La grippe? Peut-être. La grippe est un petit peu plus fort que, la, que le rhume. La grippe est plus forte que le rhume. Donc, j'ai un rhume. Exactement. El resfriado es como cuando andan moqueando por todo lugar. Es la rhume. Es le rhume. Exactement. Si vous avez mal à la gorge, mal à la gorge, ça veut dire? J'ai une angine. Exactement. J'ai une angine. Exactement. Et bien sûr, si vous avez de la fièvre, parce que c'est plus fort, c'est plus fort, j'ai la grippe, par exemple. Ok, excellent. Alors, on va passer ici. C'est faire mal. Okay. C'est faire mal. Notez l'utilisation des verbes avec pronominal. Tous ces verbes sont avec pronominal. C'est faire mal, par exemple. C'est blesser. Vous savez qu'est-ce que c'est blesser? Lastimar. Lastimar. Acuérdense que con el pronominal entonces decimos lastimar se. Y ya de ahí lo vamos conjugando. Se brûlé. ¿Qué es que se brûlé? ¿Quemar? Quemarse. Exactamente. Très, très bien. Quemarse. Voilà, exactement. Et ici. Vous avez se casser la jambe. Vous pouvez vous casser la jambe ou un bras ou peut-être les poignets. Ou... Qu'est-ce que c'est se casser? Romperse. Romperse, aquí por ejemplo la pierna, ¿no? Ou la jambe, ou le bras, ou n'importe lequel. Excellent. Et se couper les doigts. Qu'est-ce que c'est se couper? Cortarse. Cortarse. Exactement. Très, très bien. Donc, vous pouvez avoir des verbes pour se faire mal. Ici, vous allez compléter les phrases avec les mots suivants. Puis, lisez-les très vite à l'autre voix. Alors, vous avez les mots angine, pied, gorge et tu. Par exemple, si vous avez la lettre A, Georges a la rouge et sèche. À la quoi? À la... La quoi? Non, pied est masculin. À la gorge? Exactement. Georges a la gorge rouge et sèche. On va voir pourquoi est-ce qu'on a cette phrase. Vous avez la lettre B. Ton thé, t'a-t-il au tête? Ça, c'est ce qu'on appelle virlangue. Se le llama virlangue. Son nos trabalenguas. Par exemple, Georges a la gorge rouge et sèche. Et si vous le dites très rapidement, Georges a la gorge rouge et sèche. Ça, le deuxième, c'est tonton. El completo del segundo es tonton, tonté. A T
T-a-t-il obtenu tant? Quels seront les mots? Parece que son trabalenguas, entonces. ¿Tatu? Ta... Oui, exactement. Tatu. Tonton es tío. Es una forma... Pues, es como decir ma o mami, papi, pa, cosas de ese tipo. Tonton es tío. Tonté, tuté. Tatiloté, te ha eliminado. Tatu, tutos. Mais c'est une virlande. Tonton, toté, a-t-il, toté, tatou, par exemple. Voilà, les virlandes. Vous avez Paul a mal au poignet. A mal au poignet, ça c'est le poignet. À l'épaule et au... Exactement, au pied. Vous avez le son de peu. Voilà, toi, tu as le son de peu ici. Paul a mal au poignet, à l'épaule et au pied. Voilà. Et vous avez Angèle, ça c'est le nom, c'est le prénom, c'est le nom. Angèle a une... Angine, oui. A une angine à Angers. Angers est son pueblito, c'est un lugar. Angine, c'est bien sûr l'angine. Angèle, c'est comme Angela, par exemple. Donc, ça s'appelle virlangue. 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 Travalenguas. Virlangue. Vous pouvez utiliser les virlangues et vous pouvez pratiquer les virlangues. C'est pour pratiquer la prononciation comme en tous les travalenguas, en tous les idiomas. Voilà les virlangues. ¿Dudas o cuestión con vocabulario? No, madame. Ok, très bien. Dos ejercicios de la santé. Être malade, observez ces personnes y dites de quoi elles souffrent. Par exemple, elle a, notez qu'on utilise le sujet avec le verbe avoir, généralement. Elle a mal à la tête. Vous pouvez utiliser le sujet avec le verbe être, avec un verbe pronominal. Par exemple aussi. Par exemple, la lettre B. De quoi est-ce qu'il souffre? L'ange, oui, peut-être. On peut dire, il a... Ok, on peut dire aussi comme ça. Il a mal au dos. Il a mal au dos. Qu'est-ce que c'est mal au dos? Le duele la espalda. Exactement. Vous pouvez dire aussi, il a mal à l'ange, pourquoi moi, comme la cadera, también podría ser. Mais pourquoi pas. De quoi est-ce qu'elle souffre, la lettre C? Elle a jambe cassée. Exactement, on peut dire, elle a une jambe cassée. Ou vous pouvez dire, par exemple, elle se cassait, pas se composait, la jambe. Ella se rompió, pas se composait. Vous pouvez l'utiliser. Elle se cassait la jambe. Parce que c'est féminin. Qu'est-ce qui se passe avec la femme dans la lettre D? Ou les garçons, je ne sais pas ce que c'est. Il a attrapé un roumain. Il a quoi? Attrapé un roumain. Oh, excellente. Il a attrapé, on peut dire un rhume.
Quelle autre chose on peut dire? Il a Si vous notez, il a un thermomètre dans la bouche. Ça veut dire qu'il a aussi de la... Qu'est-ce que vous avez quand vous avez un thermomètre? Fiebre. Ajá. De la fiebre. Il est de la fiebre, par exemple. Très, très bien. Alors, et de ce côté-là, écoutez la conversation entre la secrétaire du cabinet médical et Monsieur Morin. Complétez la note que la secrétaire écrit pour le médecin. Si vous notez, la note nous dit faire une consultation. Je vais aller à la casa chez Monsieur Morin. Monsieur Morin est malade. Il a mal à, vous devez me dire, il a mal à quoi? Il se sent, qui vient du verbe se sentir. Il se sent quoi? Il quoi? Il a le nez. Il a là quelque chose rouge. Il a des problèmes. Quel type de problème? Et il a mal à autre douleur physique. Et il a le blessé, qui vient du verbe blessé. Vous savez qu'est-ce que c'est blessé? C'est quoi qu'elle a blessé? Lastimado. Exactement. Alors, on va écouter ici. Page 45. Vocabulaire. Le corps et la santé. Activité 2. Cabinet médical, bonjour. Bonjour, madame. Je suis Monsieur Morin. Je suis malade. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le médecin. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai très mal à la tête. Je me sens fatigué et je tousse. Mon nez est bouché et ma gorge est rouge. Vous avez des problèmes digestifs? Oui, j'ai mal à l'estomac. J'ai aussi des douleurs articulaires. Mon genou est blessé. Je vois. Ne vous inquiétez pas. Le docteur va venir chez vous pour la consultation aujourd'hui. Merci, madame. J'attends le docteur chez moi. On répète. Deux. Cabinet médical, bonjour. Bonjour, madame. Je suis Monsieur Morin. Je suis malade. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le médecin. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai très mal à la tête. Il a mal à quoi? À la tête. Ça, c'est son premier problème, parce que, pauvre monsieur, il a beaucoup de choses. Il a mal à la tête. Excellent. Cabinet médical, bonjour. Bonjour, je suis Monsieur Morin. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai très mal à la tête. Je me sens fatigué et je tousse. Il se sent quoi? Fatigué. Fatigué. Excellent. Il se sent fatigué et il tousse. Vous avez le verbe tousser. Tousser, ça c'est le verbe à l'infinitif. Il tousse. Je me sens fatigué et je tousse. Mon nez est bouché et... Il a le nez quoi? Lequel? Bouché. Qu'est-ce que c'est le nez bouché? Qu'est-ce que c'est avoir le nez bouché?
Es como cuando decimos que tenemos la nariz tapada. Entonces, en el nez bouché. Mon nez est bouché et ma gorge est rouge. Et qu'est-ce qu'il a rouge? Ma gorge. La gorge, es decir, la garganta irritada. No es que esté roja o que haya visto el color rojo, sino que está irritada. Le duele la garganta. Il a la gorge rouge. Vous avez des problèmes digestifs? Oui, j'ai mal à l'estomac. Il a des problèmes quoi? Digestif? Exactement. Il a des problèmes digestifs. Il a mal à... L'estomac. L'estomac. Mm-hmm. Il a mal à l'estomac. Voilà. Mm-hmm. Mon genou est blessé. Oui, j'ai mal à l'estomac. J'ai aussi des douleurs articulaires. Mon genou est blessé. Qu'est-ce que c'est blessé? Ok, qu'est-ce qu'il y a que c'est blessé? Il a le... Le quoi? Écoutez. Docteur va... Je vois. Ne... Si des douleurs articulaires. Mon genou est blessé. Je... Qu'est-ce qu'il a blessé? Quel type de douleur il mentionne? Un douleur quoi? Articulaire, aussi. Oui, exactement. Il a des douleurs articulaires. Il a le quoi? La douleur, qu'est-ce que ça fait mieux? C'est les genoux blessés. Qu'est-ce que c'est les genoux? Rodilla. La rodilla, lastimada. Exactement. Les genoux blessés. Voilà. D'autres questions avec vocabulaire? Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je suis de retour. J'ai des allergies maintenant. Ok, excellent. Donc, on va changer un petit peu. On va passer avec les ordonnances. Observez les documents. Si vous notez seulement rapidement le forum, dis-moi, quel est le thème de ce forum? On parle de... Le thème est... Conseil de quoi? De la santé. Exactement. Ils sont conseils sur la santé. Très, très bien. Conseils sur la santé. Excellente. Alors, on va lire. Lisez la demande de Teddy postée sur le forum. Okay. On va lire qu'est-ce que Teddy demande. Dis-moi quel est le problème de Teddy. Et aussi, on va lire les commentaires. Voilà les commentaires. Des autres internautes, quels sont leurs conseils. Okay? Donc, on va commencer avec les problèmes de Teddy. S'il vous plaît, mademoiselle Rebecca, tu peux lire les problèmes de Teddy? Oui.
Oui, madame. J'ai mal aux dents, mais j'ai prêt pour aller chez le dentiste. Je teste les bruits de la roulette dans ma bouche. En fait, quand j'entre dans la salle d'attente, je me sens mal. C'est le retour de produits. Alors, j'évite les visites chez le dentiste avec vous des solutions. Que dois-je faire? Excellent. Très, très bien. Donc, dis-moi, quel est le problème de Teddy? Mal aux dents. Il a mal aux dents, excellent. Oui, le problème, c'est qu'il a mal aux dents. Mais quel autre problème? Déteste les... Oui, exactement. Il a peur d'aller chez les dentistes. Il tiene mucho miedo d'aller chez les dentistes. Exactement. Il déteste les... Quelle autre chose il déteste? À part les bruits de la roulette. Todos seguro lo tienen en la cabeza. El sonidito del taladro. Ça, c'est les bruits de la roulette. Ça, c'est les zzzz. Oh mon Dieu. Mais non. Et aussi, quelle autre chose il déteste? L'odeur des produits. L'odeur des produits, tiene un olor específico. Oui, l'odeur des produits. Exactement, très très bien. Alors, on va lire les conseils. Qu'est-ce qui se passe avec les conseils? S'il vous plaît, monsieur Ricardo, tu peux lire Vinix 71? Oui. Il faut que tu trouves un bon dentiste. Uh-huh. Il est important qu'il prenne le temps de t'expliquer. Uh-huh, oui. Ce qu'il faut pour te soigner. Te soigner. Si tu as très mal, prends de l'aspirine 3 fois par jour. Exactement. Très, très bien. Ok. Donc, quel est le conseil de Vinix dans ce cas-là? Trouver un bon dentiste. Trouver un bon dentiste. Excellent. Et quelle autre chose? De l'aspirine. S'il se sent très mal, il faut prendre de l'aspirine 3 fois par jour. Excellent, très très bien. Les suivantes, s'il vous plaît, mademoiselle Belen. Tu peux lire Hugo V ou Hugo 5 peut-être. Oui, la prévention est importante. Uh-huh. Il est nécessaire qu'un dentiste contrôle tes dents une fois par an. Mm-hmm. Tu auras mal. Moi, mal. Moi, mal. Excellent, très très bien. Quel est le conseil d'Hugo? Le conseil est... Il faut aller chez les dentistes, oui ou non?
Oui. Combien de fois? Une fois par an. Exactement. Les conseils d'Hugo, c'est qu'il faut aller chez le dentiste au moins une fois par an. Al menos una vez al año. Exactement. Et vous avez Marie-6, s'il vous plaît, mademoiselle Karen. Tu peux lire Marie-6? Mercredi, il est utile que vous pratiquiez cet exercice de relaxation avant votre visite. Cela va vous détendre. Cela vous détendre. Donc, quel est le conseil de Marie? Exercice de relaxation. Exactement. Pratiquer des exercices de relaxation. Très, très bien. Avant la visite chez les dentistes, bien sûr. Très, très bien. OK. Alors, à votre tour, postez un commentaire sur le forum, conseiller Teddy. Quel serait votre conseil à Teddy? Si vous devriez faire ou donner un conseil à Teddy, quel serait? Quel serait votre conseil? Non? Vous n'avez pas un conseil pour Teddy? Non? Pas de conseil, pas de conseil. Par exemple, non, pas de conseil, ningún consejo le dan a Teddy. Quel conseil? Miss. ¿Cómo sería ese que dice revisar las visitas chez le dentiste? Ok, ¿evitar? Evitar. Oui. ¿O se hace el consejo? No, evitar, bueno, las visitas al dentista, ¿no? Éviter les visites chez les dentistes. Bon, on ne peut pas les éviter, mais oui. Autre chose? Non, on a votre conseil. Ok. Je ne sais pas, par exemple, vous pouvez dire va chez les dentistes accompagné, par exemple. Be accompagnado, peut-être, pour serrer les mains à quelqu'un, à donner la main à quelqu'un, par exemple. Vous pouvez avoir n'importe quel conseil. Alors, au fait, c'est seulement pour savoir, chaque Français, depuis 1945, possède un numéro de sécurité sociale composé de 15 chiffres. Il le garde toute sa vie. Ce numéro est nécessaire dans beaucoup de situations quotidiennes comme les démarches administratives, médecine professionnelle. C'est la carte vitale. Tous les Français ont leur tarjeta vitale. Et vous avez le numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale ne change. Mais bon, c'est la carte vitale. Donc, c'est aussi comme ici au Mexique qu'on a aussi notre numéro. Alors, on va passer avec la compréhension de qu'est-ce que c'est une ordonnance. Vous savez qu'est-ce que c'est une ordonnance? Dis-moi, une prescription médicale ou un rendez-vous médical. Qu'est-ce que c'est une ordonnance? Qu'est-ce que vous croyez?
L'ordonnance est A ou B? Ordonnance, c'est la prescription médicale. No decimos recette, porque eso es una receta de cocina. On dit ordonnance, c'est la prescription médicale, l'ordonnance. Notez par exemple, voilà, vous avez les noms de docteur, Laurenti Griffith Armel. Vous avez les titres de docteur, bien sûr, chirurgien, dentiste. Vous avez, ça c'est les noms, bien sûr, ça c'est pour les postes, peut-être les titres, Ici, comment on appelle ça? 46 avenue Cassagne, 35, 150, c'est nom, téléphone, fax. Qu'est-ce que c'est ça? Comment on appelle celui-ci? Comment on appelle ce d'ici? Ça, c'est le quoi? Direction. Ah, comment on dit direction en français? Adresse. L'adresse, exactement. Vous avez l'adresse. Vous avez l'adresse. Oui. Vous avez l'adresse. Qu'est-ce que c'est? Bon, bien sûr, les téléphones, ça c'est normal. Les numéros de téléphone, les numéros de fax. Vous avez les numéros de téléphone, les numéros de fax aussi. Okay. Vous avez les lundi 15 juin 2015. Ah, qu'est-ce que c'est aussi ça? También lo ponemos aquí en México. Sin estos números, no se puede trabajar en realidad. ¿Qué es que sé? ¿Cédula? Exactamente. Es el número de cédula profesional. En francés le decimos... Ay, oh mon Dios. Le matricule du médecin. Le matricule de médecin. ¿Qué es? Como la cédula profesional. El número de cédula. Voilà. Les matricules du médecin. Excelente. Alors, si vous notez, le lundi 15 juin 2015, vous avez patient, madame, noten comme escribimos madame, abreviando, madame, janvier, Daphné. Notez que vous avez le nom du patient. Et généralement, on les met avec les noms et après les prénoms. Primero el apellido y luego el nombre, ¿no? Les noms et les prénoms. Les noms de patients, les numéros de sécurité sociale, bien sûr. Les numéros de sécurité sociale. C'est d'ici. Notez qu'ils sont 15 chiffres. Et vous avez le numéro 1, 2, 3, 4, antibiotiques. Vous avez 500 mg, 2 boîtes de 2 sachets, 3 jours matin, midi et soir, pendant 8 jours, milieu des repas. Notez que vous avez les noms des médicaments. Ça, c'est les noms de médicaments. Oh, mon Dieu. Les noms des médicaments, les produits, exactement. Et on a la posologie. On va dire, ça s'appelle la posologie. La posologie sont les doses et la périodicité. La périodicité. Par exemple, on va dire, les doses, 500 mg, deux boîtes et deux sachets. Des deux sachets.
las pastillitas, ¿no? Les deux sachets. Et vous avez la périodicité. Quelle est la périodicité? Trois fois, tres veces, significa el tres. Trois fois. Par jour, utilizamos la preposición par. Trois fois par jour. Voilà, comme ça. Trois fois par jour. Et vous avez la périodicité ici. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Voilà. Trois fois par jour. Et vous avez quand? Tienen cuando lo van a tomar. Vous avez les matins, les midis, les soirs. Vous continuez avec la périodicité pendant 8 jours. Et vous avez quand vous devez les prendre? Milieu de repas. Es decir, con comida. No solita la pastilla. Par exemple. Vous avez antalgique, 400 mg, une boîte, les deux sages. Les deux. En comprimé. En comprimé. Toutes les 6 heures. La périodicité. Toutes les 6 heures. Bande de bouche aussi. Se rincer la bouche. Qu'est-ce que c'est se rincer? Qu'est-ce que c'est se rincer? Enjuagar. Se rincer la bouche trois fois par jour pur. Sans se broser les dents, etc. Par exemple. Vous avez aussi gel buccal, la périodicité, deux ou trois applications par jour après les repas, par exemple. Si vous notez, les antibiotiques, comme en espagnol, c'est les médicaments qui tuent, que mata, qui tuent les bactéries. L'antalgique, c'est antidouleur, analgésico. Antidouleur. Vous pouvez voir l'exemple d'une ordonnance. Toute question avec le vocabulaire? Non, madame. Combien de médicaments le docteur a prescrit? Combien de médicaments? Médicaments. ¿Cuántos? ¿Combien de medicamentos? Y la cuatro. Le cuatro. ¿Me medicamentos? Dos. Dos. Solamente dos. Exactamente. El antibiótico y el antalgico. ¿Cuál es la durée del tratamiento antibiótico? La durée. ¿Por combien de días? Quelle est la durée de l'antibiotique? Je ne sais pas. 13 jours. De l'antibiotique? Non. L'antibiotique, c'est pendant combien de jours? Voilà. Exactement. Pendant 8 jours. 8 jours. Exactement. Pendant 8 jours. Excellent. Quand la patiente doit-elle prendre chaque médicament? Quand la patiente doit prendre, par exemple, les antibiotiques. Quand est-ce qu'elle doit prendre les antibiotiques? Une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour, quoi? Lequel?
Les antibiotiques sont trois fois par jour. Trois fois par jour. Au milieu des repas. La comida. Medio de la comida. Au milieu des repas. Voilà. Et l'antalgique. Quand est-ce que la patiente doit-elle prendre l'antalgique? Exactement. Toutes les 6 heures. Cada 6 heures. Exactement. Très, très bien. Alors, à votre amie, où a-t-elle mal? Quelle est douelle entonces à elle? Si vous notez, elle a mal à quoi? Elle a mal au quoi? Quel est son problème? No es la mala comida, ¿no? Pas exactement. No. Elle a mal au... No te... Exacto. Si vous notez le type de docteur, aussi l'ordonnance, vous pouvez voir qu'elle a mal aux dents. Elle a mal aux dents, les dents, exactement. Très, très bien. Excellente. Okay. Donc, pour se comprendre des instructions médicales, vous avez les verbes, se rincer la bouche, trois fois par jour, verbe appliquer, verbe mettre, par exemple, du gel tous les jours, prendre de l'aspirine, prendre du médicament, prendre de l'antibiotique, prendre de l'antalgique deux fois par jour, prenez, avaler les comprimés avant, au milieu ou après les repas, par exemple. Ne dépassez pas la dose, non pas ça, ne dépassez pas la dose, par exemple. Okay. D'autres questions? Miss. Oui, dis-moi. Ese que dice tres fois par jour es tres veces por día, ¿no? Ajá, por día, exactamente. Ah, ok. Gracias. Genial. ¿De tu cuestión? Ok, excelente. Très bien. Alors, et on va voir aujourd'hui les subjonctifs. Les subjonctifs, on va continuer avec les subjonctifs. La semaine qu'on retourne de vacances, mais on commence avec cette partie du subjonctif. Notez que pour le subjonctif, on va exprimer la nécessité. Comment on peut exprimer la nécessité avec des expressions? Il faut que. Il est important que. Il est nécessaire que. Il est utile que. Notez que les expressions sont suivies de que avec un verbe au subjonctif. Par exemple, que tu trouves, qu'il prenne, que le dentiste contrôle, que vous pratiquiez. On va utiliser ces expressions avec que, la préposition que, et les verbes subjonctifs. Par exemple, je vais passer ici. Certains verbes ou expressions verbales qui expriment une nécessité sont « il faut que »,« il est nécessaire que », »,« il est important que », »,« il est essentiel que », etc. sont suivis de subjonctifs. L'expression « il faut que » avec subjonctif est très courante à l'oral. Es muy, muy, muy común en la producción oral, al hablar.
La conjugaison des verbes en ER au présent de subjonctif et l'indicatif est la même. Alors, on ne comprend pas toujours que c'est du subjonctif. Ojo con el subjonctif. Okay. Es muy parecido al presente y más en los verbos de ER. Por eso, como dice aquí, no siempre notamos que estamos hablando en subjonctif. Pensamos que es presente porque es muy parecido. ¿Cómo hacemos un subjonctif? Très facile. Pour je, tu, il, elle, on. Il, elle, on conjugue les verbes avec la troisième personne du pluriel, que c'est il. Et on ajoute les terminaisons. Quelles sont les terminaisons du subjonctif? E, on. Exemple, les verbes prendre. Fíjense aquí, el verbo prendre. Para sacar el radical, pour le radical, je conjugue avec il. Voy a conjugar con il en presente. Il prenne. Y voy a quitarle ENT. Lo que me queda es mi radical. Prenne. Mi radical va en las personas je, tu, il, el, on, il, el. Prenne, 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 prenne. Y con las terminaciones, ¿cuáles son las terminaciones? De je es e, de tu es es, il, el, on es e, il, el, ent. Es muy parecido a los verbos de primer grupo en presente. De hecho, es la misma conjugación. Entonces, bueno, no la conjugación, es la misma terminación. Entonces, hay que tener cuidado. Okay. Pren. Voilà. ¿Qué pasa con nous y vous? Nous y vous, on conjugue le verbe comme à l'imparfait. Para sacar el radical, o el verbo, lo conjugamos como si estuviéramos conjugando imperfecto. Nous prenions, vous preniez. Prenions, vous preniez. En realidad, las terminaciones del subjonctif son e, es, e, yon, ye, on. Estas son las terminaciones del subjonctif. Okay. Lo más común es, primero conjugo con il en presente, por ejemplo, el verbo va a decir finir. Il finisse. Yo lo conjugo primero en presente para poder sacar radical. Se hace present. Okay. Le quito nada más ENT. Y lo que me sobra, ese es mi radical. Ahora sí, cuando yo conjugo en subjonctif, voy a poner el radical en todas las personas. Je finis, tu finis, il finis, nous finissions. Finis, il, el, finis. Acuérdense que il abarca el, abarca on. Il abarca el. Y de ahí, lo único que hago, la maîtrise y le sujet, okay, es agregar terminaciones. Par exemple, voilà, vous avez finis, que je finis, que tu finis, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Y listo. Ya tengo un verbo conjugado en subjonctif. ¿Por qué no lo dividen aquí? Por ejemplo, solamente je, tu, il, el, on, il, el, y nous y vous. Porque a veces nous y vous llegan a ser, o más bien a veces los verbos llegan a ser irregulares. Entonces, si en, o no en algunos casos. Lo que podemos hacer es que nada más nous et vous, siempre acuérdense que se conjuga de la misma forma que se conjugan en imparfait. Nous et vous, solamente nous et vous. Todos los demás les aplica el radical que sacamos de il. Pero a lo mejor hay algunos verbos que pueden llegar a ser irregulares. También vamos a ver los verbos irregulares. ¿Okay? Entonces, estas de aquí son las terminaciones del subjonctif. Para el subjonctif, yo saco el radical primero conjugando con il
en presente y le quito ENT. No se vayan a confundir en los verbos NR. ¿Qué pasa con los verbos NR? Son prácticamente lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, digamos el verbo, parler, ¿ok? Si yo tuviera el verbo parler, vamos a ver acá. Okay. Cuando yo conjugo el verbo parler en presente, je dis, je parle. Tu parles. Il parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Fíjense que aquí las terminaciones de los verbos NR, por lo menos en nous, vamos a tener parlons y vamos a tener parler. Cuando yo conjugo el verbo parler en subjuntif, es prácticamente lo mismo, pero je parle, tu parle, il, elle, on parle. Ahí es donde cambiamos con parlion. Esa es la misma conjugación que en imperfecto. Vous parlez. Il parle. Entonces, si yo estoy poniendo el parler con je, con tu, con il o con il pluriel, en realidad no sé si estoy hablando en presente o en subjuntif. ¿Cómo lo sé? Pues porque las expresiones que llevan que, como estas de aquí, requieren subjuntif. Entonces, cuando yo conjugo, aunque sea la misma conjugación, no está en presente, está en subjuntif. ¿Okay? Entonces, aguas con los verbos NR. Su presente y el subjuntif, el subjuntivo, son extremadamente parecidos, salvo por nu y por vu. Todo lo demás es igual. No aplica para segundo y tercer grupo, porque acuérdense que segundo y tercer grupo son específicos y tienen terminaciones específicas. ¿Okay? Pero verbos NR es prácticamente lo mismo que el presente. Aguas con nu y con vu. Parlions, parliez. ¿De tu cuestión, jusqu'ici? Uy, mademoiselle Sofía. Entonces, cuando el verbo termina en ER, ¿no se hace lo de la conjugación antes, como el otro? De IL, no. Sí, no. Es importante que siempre tengan en cuenta que el radical sale de IL en plural, pero en los verbos en ER no tiene mucho caso, porque la conjugación es la misma, salvo por NU y VU que le cambia la terminación. Entonces, digo, si lo quieren hacer no hay problema, pero de todos modos es lo mismo. Porque si yo lo conjugo en IL, le quito ENT, de todos modos es la misma forma en que yo estoy conjugando en presente. Lo mismo en subjuntif. En donde sí hay que hacerlo es en los de segundo y tercer grupo. Por ejemplo, este es el segundo grupo, deuxième groupe. Vamos a decir choisir, que es siempre de los cocos porque tiene muchas S's. Cuando yo conjugo en presente, yo tengo il choisisse. Acuérdense que el presente viene, esta es la terminación en presente. Cuando aprendimos a conjugar segundo grupo, vimos que las terminaciones de segundo grupo era is, is, it, y son, se, is. Esto es segundo grupo. Pero para poder sacar el radical, yo no le voy a quitar la terminación completa de cuando aprendí a conjugar en presente. Lo único que voy a hacer es quitarle ENT. Y lo que me queda, ese va a ser mi radical. Hasta todas estas S. Entonces ahí sí, cuando yo lo paso a subjuntif, cuando lo paso a subjuntif, entonces tengo G, choisis y le pongo la E. Entonces, por ejemplo, voilà. Tu, il, el, on, vous, vous, il, el. Aquí es todo completo, ¿no? Il, el. Voy a hacer un poquito más pequeño. Voilà. Tu,
mi radical va en todas las personas. Y este de aquí va a ser mi terminación. Je choisis, tu choisis, il choisis, nous choisissions, vous choisissiez, ils choisissent. En el segundo grupo sí es imperativo que primero saquemos el radical. ¿Por qué? Pues porque no es la misma conjugación que en presente. Lo mismo para tercer grupo. Si yo tengo, por ejemplo, el verbo dormir, que es un verbo de tercer grupo. Acuérdense que estos verbos, vimos que sus terminaciones son SST, ONS, ES, ENT. Pero acuérdense que estos verbos, los que terminan en IR de tercer grupo, tienen una particularidad. Acuérdense que esa M antes, o la letra antes de la terminación, desaparece en las personas del singular y se queda en las personas del plural. Recuerden sus reglas de conjugación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo conjugo, pues entonces tengo dorme y le quito ENT. Je dorme, tu dormes, il dorme, nous dormions, vous dormiez, il dorme. Y esta conjugación no es para nada la conjugación de presente, porque en presente yo digo, je dors, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, il dorme. Esta es la conjugación en presente, esta de aquí arribita. Que no es para nada lo mismo que el subjuntif. Entonces, como vemos, primer grupo es prácticamente la misma conjugación, salvo nu y vu, que cambian con el ion, yeah. Pero segundo y tercer grupo no se van a parecer. Por eso tenemos que saber bien cómo conjugar en presente para poder sacar radical y ya de ahí entonces conjugo en subjuntif, agregándole las terminaciones. Y si se fijan, pues no es lo mismo. Lo mismo en choisir. Cuando yo conjugo en presente, yo digo je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Este es el verbo choisir conjugado en presente. No se parece en nada con el subjuntif. Ahí sí es donde sí tenemos que poner. Primero conjugamos con il, sacamos radical y de ahí ponemos radical y ponemos terminaciones. Por supuesto, con la práctica nos vamos acordando de los radicales. Ya no es necesario hacer todo este show para poder conjugar en subjuntivo, pero eso viene con práctica. No es que o se lo aprenden si tienen excelente memoria, también pueden hacerlo. Pero es mis dos, aquí agarramos la base de ils. Ajá, exactamente. El radical va a salir de il, solamente quitando ENT. NT, y de ahí les va a salir su radical. ¿Tú, tu cuestión? Pero, bueno, yo quiero saber, Miss, ¿qué es el subjuntivo? El subjuntivo es un tiempo, como su nombre lo dice, subjetivo. El subjuntivo se utiliza para expresar deseos, o en este caso necesidades. No es para lo único que se utiliza el subjuntivo, se utiliza para más cosas, pero su primer uso son deseos. Necesidades en este caso lo estamos viendo, y son verbos que se conjugan de forma que no es real, ¿okay? Lo que están diciendo no es un hecho. ¿Por qué? Porque es un deseo, es algo que no existe, es subjetivo, ¿okay? No es un hecho como tal, ¿okay? En español también lo tenemos, por ejemplo, que él duerma. Que tú duermas, que ella vaya, por ejemplo, ¿okay? No es un tiempo, no es un hecho, no es un tiempo que utilicemos para hechos, es un tiempo que utilizamos para deseos, para necesidades, inclusive para cierto tipo de certezas, pero no siempre, ¿okay? Generalmente es mucho para deseos. Eso es el subjuntivo, es algo subjetivo. Gracias.
De tu cuestión. Par exemple, okay. Acuérdense que el subjuntif es muy común, o no es muy, no es que es muy común, tiene que tener la preposición que. Más adelante y en otros niveles se sigue viendo subjuntif, y ahí es cuando empieza todo el desastre del subjuntif, porque vemos cuando sí, cuando no, okay. Hay veces que aunque tenga preposición que, no vamos a poner subjuntif, okay. Pero ahorita nada más estamos entendiendo cómo empezar con el subjuntif. Entonces, vamos a recordar que el subjuntif va a tener una preposición que, okay. Que je parte, que yo vaya, por ejemplo, o que yo parta. Sortir, por ejemplo, hacemos lo mismo. Il sort. De ahí, acuérdense, quito ENT. Y entonces ese es más radical. Exactamente. Que je sorte. Voilà. Que je sorte. Listísimo aquí. Que je sorte. Que yo salga. Descendre. Que tú. ¿Cómo vamos a conjugar descendre en subjuntif con tú? Exactement. Que tu descendes. Que tu descendes. Comprendre. Fíjense que es muy parecido a descendre. Que tu. Nada más que aguas con la conjugación. Porque saquen lo de il. Y comprendre. Teníamos il descende y aquí tenemos il comprenne. ¿Cómo lo voy a conjugar? Qu'il comprenne. Exactamente. Qu'il comprenne. Se la ve. Es verbo en ER. Entonces, este es bastante fácil. Que no. Acuérdense las preguntas. Excelente. Que no, no l'avion. Porque tiene por ahí un pronominal. Que no, no l'avion. Voilà. Que no, no la vio. Boire. Cuidado con boire. Pero, ¿cuál es? Bu. No. Que bu, voyez. Ok. Aguas aquí. Boire es un verbo de tercer grupo. Es irregular. ¿Qué pasa con boire? Cuando yo lo conjugo, que je boive. Que tu bois. Qu'il bois. Pero nous y vous, como decía la regla, deben de quedar siempre como el imparfait. Entonces, si yo noto que si yo pusiera boivion, eso no es un verbo, de hecho no existe, pero no es como conjugo en imparfait. Tiene que coincidir la forma del subjuntif en nous y vous con el imperfecto. El imperfecto es... Bouvion. Si yo veo que al conjugar con mi radical, por ejemplo, así, ¿no? Boivier, no me está coincidiendo con el imperfecto, entonces está mal, porque el subjuntif tiene que coincidir en nu y en bu con imperfecto. Eso significa que el verbo es irregular. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues nada más lo conjugo como conjugaría el imperfecto. Nu bouvion, vous bouvier. Los demás sí llevan el radical normal, il boive. Entonces, siempre fíjense que nu y bu estén coincidiendo con el imperfecto. Si no coincide, entonces no puede llevar el radical. Tiene que ser como el imperfecto, a fuercitas. Siempre. Los demás sí llevan el radical normal.
je, tu, il, el, on, il, el. Pero nous y vous tienen que coincidir con imperfecto. Entonces aquí, que vous vient, que sea igualito al imperfecto en nous y en vous. Si no es igualito, es irregular el verbo. Par exemple, offrir. Quels offres. Cuidado nada más porque es la misma acá. Nos faltó por ahí un poco la terminación. Quels offres. ¿De tu question jusqu'ici? Les voy a dejar tarea, yo sé que son vacaciones, pero la semana que regresamos de vacaciones vamos a repasar nuestro subjuntivo. Nuestro examen es el... ¿Ahorita les digo? Acá está. Nosotros regresamos... Déjenme ver el calendario. Ustedes son francés 2. La siguiente semana del 11 al 17... es Semana Santa, regresamos el 18. Nuestro examen es el 21, es decir, el jueves de esa semana. ¿Okay? Entonces, el 18 vamos a terminar, o bueno, vamos a hacer ejercicios de subjuntivo y vamos a ver algunos ejercicios de subjuntivo en irregular. El irregular es simplemente aprenderse las conjugaciones, como en todos los irregulares. ¿Okay? Lo último que nos falta de ver de esto es el vocabulario de las medicinas. Okay, pero este lo podemos ver rapidísimo cuando regresemos. Okay. Hasta el vocabulario de las medicinas llega a nuestro examen, que es la unidad 5. Okay. Entonces, les voy a dejar el este de aquí, okay, para que practiquen la parte de conjugar el subjuntivo. Este está en el cuaderno de ejercicios, en la página... Je vais revisar la page. Se hace la page. Es la página 46. Okay. Page 46. Exercice 3. Va a ser el ejercicio 3. Cahier de exercice. Okay. Para que repasen un poquito el subjuntivo, okay, y regresando, realizamos más ejercicios y vemos la parte del subjuntivo irregular. Okay. ¿Dudas o preguntas? Excelente. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahorita hasta aquí. Okay. Les subo su tarea en un ratito. De todos modos, ya saben cuál es su tarea. Bueno, donc, merci beaucoup. Bonnes vacances, reposez et jusqu'à 18. Nous vemos hasta el 18. Tengan muy bonitas vacaciones y descansen mucho. Merci beaucoup. Igualmente, gracias. Merci. Bonjour. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.